た菅直人です。今回第3回感覚世界社会フォーラムにご招待をいただきまして大変光栄に思っております。私はこの福島原発事故が起きるまでは日本の輸出水準はかなり高いのでチェルノブイリのような事故は起こさないで済む、このように考えておりました。しかし実際に福島原発事故が起きてその対応に当たる中で私の考え方が全く間違っていたということを強く思い知らされました。La question cruciale, que pouvons-nous faire pour contribuer à l'élimination des armes nucléaires maintenant que nous avons ce traité d'interdiction? Que faire? Comment sensibiliser l'opinion? Comment interpeller nos concitoyens? Comment provoquer un débat? Donc nous avons invité deux amis étrangers, Marion qui vient d'Allemagne et Marcus qui vient de Grande-Bretagne, qui sont tous les deux des militants aguerris sur des actions de terrain. Marion s'occupe principalement de tout ce qui est blocage de la base de Büchel, qui est la base où il y a 20 bombes nucléaires américaines entreposées et confiées à des pilotes allemands pour éventuellement bombarder des villes. Et Marcus est membre des associations anglaises qui occupent et bloquent les bases de Faslane en Écosse, Coolport en Écosse également, et Aldermaston près de Londres. Aldermaston fait l'entretien des bombes et Coolport et Faslane mettent les bombes dans les sous-marins. Donc là, vous allez avoir des actions de terrain un peu chaudes parce que bloquer une base qui contient des armes nucléaires n'est pas forcément simple et occasionne parfois des difficultés avec la police, avec la justice et avec aussi les opposants. Donc je laisse d'abord Marcus nous présenter les photos et commenter les photos de ce qui s'est passé récemment au Royaume-Uni. Merci Marcus. Hello everyone, can you hear me? Yep, thank you. My name's Marcus Armstrong, I'm from England, and louder. Hello everyone, can you hear me? My name's Marcus Armstrong, I'm from England, and I'd just like to say thank you for having this opportunity to share a little bit of the work of the organisation I'm with, which, as Dominique said, is Trident Ploughshares. So I've been an anti-nuclear activist in the UK, Europe, and around the world for just over 20 years. And Trident Ploughshares actually celebrates its 20th birthday next year. We started in 1998. And although it does a lot of different work, it was primarily started up in 1998 to take non-violent direct action against Britain's nuclear establishment. So it had a very specific brief. And the ethic behind that was that we strongly felt that the nuclear weapons are immoral and illegal. And we felt it was the duty of our British government to get rid of these weapons and not use them and not deploy them, not possess them. But the British government was not getting rid of them, despite many decades of protests and requests and petitioning. So we decided, as responsible citizens, it was actually our duty to start disarming the weapons. So I've got a few slides to show you. So one of the ways we operate is we have a lot of protests and demonstrations at these four establishments, the two nuclear sites in Scotland and the two missile sites near London. So we try and network across the country, we try and gather a lot of support from communities, keep them informed about what's happening at these establishments, because many people, I know it might be hard to believe, but so many people in Britain think that our nuclear weapons disappeared with Polaris in the 60s. They didn't really realise we were still developing and maintaining nuclear weapons, so we kind of keep it on the public agenda. So lots of presences, not just at the four bases, but in our communities to try and keep people aware and get people on board to join us protesting at the nuclear bases. And a few years back, we had a protest called Faslane 365, where every day for 1 year, over 365 days, a different community came
to the base and protested. So we had a full year of protests every day, which was an amazing thing to achieve, and I think we're hoping to do that sometime again in the future. We try to think of simple and creative but effective ways of stopping the operation of the base. And this is one example of a tripod action, which can happen with two or three people. And if they're practiced, the tripod can be up on the road and someone have kind of climbed up onto it in less than a minute. And this is very effective because it then takes the police maybe half a day or one day to erect scaffolding all over around the tripod so they can remove the person safely and then bring the tripod down. So things like this don't involve a lot of people, and they're very simple, but they're extremely effective at blocking the roads and the gates of the base. And this was them starting to build up the scaffolding and to bring this man down safely. I think just before you do an action like this, you can't have a lot to drink because you could be up there for a long time, maybe a day. Another very effective way of blockading, which we use a lot, is of you insert your arms into a metal tube or some sort of tube, and you link your wrists with some device, usually those things they use in climbing. So the authorities, the police, the army, they can't just pull your arms out or they'd break your arm. So they literally have to cut through this safely and then remove you. And again, this can take 4, 5, 6, or 8 hours to do this. So it's a very simple and effective way of blocking a gateway or a road. I haven't got any pictures of it, but another really effective action, which I've only done once, and I can't believe I did it, I'm not sure I'd do it again, was that, you know these locks you have for your bicycle that are in the shape of a D? They're like this. So you wait until there's a lorry in front of the main gates of the base, and then people surround the lorry and tell it to stop because there's someone underneath. And then someone goes underneath the lorry and you lock your neck to the underside of the lorry. And again, they have to bring in special equipment to lift the lorry up and cut you free at very close quarters. So this can often take 6, 8, or 10 hours to do this with specialist teams. So these are the sort of actions we undertake to try and disrupt the working of the base. And of course, inevitably, lots of people get arrested during this. And for us, that's all part of the process. It's actually, what we've found is that if someone from a community goes to a protest, that attracts interest in their community. If they get arrested at that protest, that attracts a lot more interest. And if they go to prison for that protest, then that really puts Trident, the nuclear issue, on the map for those communities. And I think the arrests are important in a lot of ways. They're an important message to the government. So we're telling our government, we know what you're doing, we don't agree with it, and we are going to challenge it. It's important to keep the community involved. And I think I was very interested at the way Trident Plowshares deals with the authorities, because basically every year the details of the activists are published to the authorities, so they already know who we are, because these actions are non-violent, open and accountable. And one of the ethics behind the non-violent actions is that if we are doing an action and we don't get caught, we hand ourselves into the police or the army or the navy immediately after the action and say, this is who we are and this is what we've just done. Now, this serves various purposes. We consider this to be part of non-violent accountable action. But also, in view of the recent world order with so-called terrorism and many countries changing their laws to try and deal with terrorism, we as activists were under threat from the new anti-terror laws. And one way of protecting ourselves from having those laws applied to us is to say, but we told you who we were, we told you when we were coming to the base, and if we weren't caught doing the action, we handed ourselves in afterwards. So this makes it almost impossible for them to throw the anti-terrorism acts at us, which keeps us safe as well. I think one of the aspects of Trident Plowshares which was very successful and attracted a lot of people was that it felt like a very safe campaign. I went along
initially about 20 years ago as a cook and a driver just to get a feel for the organization and how they were doing this protesting. And I was really impressed. It was very well organized. There was a lot of training involved. You couldn't just turn up to camp and take part in an action. You had to train properly. You had to sign a pledge of nonviolence. And during the course of those first few camps, I'd see teenagers going off and getting arrested. I'd see older people, some in wheelchairs, going to get arrested. And they all came back very happy. And this was quite striking for me, that they seemed very empowered by taking this action. And certainly, I can relate to that very personally, because as a young man in my 20s, I became very depressed because I knew about the nuclear issue, but I felt very powerless. I didn't know what to do or how to do it. And I actually started to become quite depressed, and I started drinking and all sorts of very negative effects on me because I didn't know what to do, and I felt very disempowered by the government and society. And so it was a very strange feeling for me that the first time I actually got arrested and then went to prison for that, it was kind of the freest moment of my life because I'd taken up my own power and I'd said, I'm my own person. I'm not going to be dictated to by a government. And if the worst they can do is lock me up occasionally, then that's not so bad, really, for me to have my health back and my peace of mind and actually take up my power. So there are lots of, as we've heard previously today, there's lots of reasons why people want to be anti-nuclear, and here are some of the messages. People want homes, they want education, they want healthcare, they don't want that money spent on weapons. Books, not bombs. Cut the war, not the welfare. Climate, not Trident. And we have seen some enormous demonstrations up and down the country in support of this cause. So how does Trident Plowshares work? Well, when you join Trident Plowshares and you take your training and you sign a pledge, you have to join what's called an affinity group. And this is a group of people who work together to take an action. And this group could be very small, a few people, or it could be very large. And on lots of actions, many affinity groups join together to work together. But the reason this strategy was adopted was because if our organisation had any hierarchy or leadership or main organisers, they could be arrested and put in prison, and then the organisation couldn't function. So the really positive thing about using this affinity group system or a kind of a cell structure is that even if everyone's arrested and there's only one affinity group left of five people, they can still go and take an action. They can operate independently and they can keep the movement going. So that's proved to us very important, that people are encouraged to join a group, build trust and capacity in that group, work together, protest together, offer all the other things as part of the protest, court support, prison visits, etc., etc. So you build up trust in that group and it makes it easier to partake on these actions, which can often be a bit scary or challenging. This, for those of you who haven't seen it, is part of the Faslane nuclear base in Scotland. It's an enormous base running along the shores of one of the areas of water there. And I think it's 6 or 7 miles long. So it's very, very hard for the Ministry of Defence and the Navy to secure this. And I don't know if you can see very clearly. There's a barrier in the water here. Can you see that? Yep. So there's actually a sea barrier stopping people or boats getting into the base. But you can actually swim under that. So I'd like to give you a little example of an affinity group action which I took part in. So we decided we wanted to be one of the affinity groups who reached the submarine and actually tried to damage bits of it. And we had training in what bits not to touch. Of course, we wouldn't go near the reactor or the missiles, but things like the rudder, the bit at the back which steers it, or things like the tiles on the side which make it invisible to sonar, they're good targets to rip those tiles off or damage certain bits. Or the periscope, that's a non-critical thing to smash that.
So over the years, various teams of us have gotten into the base and onto the submarines. So to do this action, for example, in the affinity group I was with at that time, we called ourselves the Water Babies because we like doing sea actions. We'd have one or two people who sorted out the equipment we needed, the wetsuits, and it's spray painting cans and things like that. We had one person who would keep an eye on the weather and the tides and find the right location for us to enter the water and which direction we had to swim with that weather and with those tides for the easiest journey across. We had another person who offered to drive us in the middle of the night to the spot where we'd swim. And what was always remarkable for me is that I've tried four times to get to the submarines and I've reached the submarines every time. And that's really quite shocking for me that I'm an amateur swimmer. I don't have any special training. We had no special equipment. We simply took our time to swim across the water, avoiding the patrol boats. And four times I got into the base and spray painted the submarine. And it was quite embarrassing during my trial when there would be representatives from the Ministry of Defence saying, we think the base is secure. And we'd be there saying, but we got in. We've got in dozens of times. And they just stand there and not look at us and say, we think the base is secure. And we're trying to prove that it's not secure. And our worry, and a really big worry for me, is what if someone with malintent took a bomb and could get in and put the bomb and come out because they didn't catch us and we had no special training. So this is something that really scares me, that these establishments are not secure and they're proved month after month, year after year by activists to be not secure. And this is kind of a close-up, a bit closer of the submarine. And it's actually, they're enormous. They're kind of the length of a football pitch. And when you're up against the side of it, you can't see it. It just feels like a black wall in front of you when you're in the water. So they're quite, they really represented a heart of darkness to me when I got close to them. And it was a very powerful experience taking part in these actions and I suppose in my mind getting close to the beast in that sense. A big part of what Trident Ploughshares does is court and legal support prison. So if you did get arrested with us or as part of a campaign, there would be very effective court and legal support. You'd have legal representation, you'd have support in court, and if you went to prison, then you would have prison visits. So every stage of it was taken care of to make it as sort of safe as possible for ordinary citizens to do such things. And I think prison can be difficult for some people. I found it a very interesting experience to regularly go back and be in a community which I'm not normally part of. And it was my chance to sort of preach about anti-nuclear stuff to the prison guards and all the other prisoners and see if I could build some support in there. Oops. One of the other things we organise is we regularly organise peace camps. By a strange coincidence, a few years ago, a female activist was treated violently by some of the army up at Coalport, and she won compensation. The government had to pay her for her injuries and the harm that had come to her. And then, by a strange turn of fate, because the British government and the Ministry of Defence are running out of money, they started to sell off land all around the base that was non-essential, and they accidentally sold her a piece of land. So she used the money she had received from the government in compensation to buy a piece of land 5 minutes from Coalport. So now we have several acres of land there where we can camp regularly. This wasn't actually at Coalport, this picture, but we have regular peace camps there where we try and encourage people to come along and protest. And very easy, just a 5 minute walk to the front gates of Coalport where we can protest. So it's all very convenient for us, and I think it was a major embarrassment for the government. And just a little anecdote about the base. It's been very, very embarrassing for the government and the Ministry of Defence up there at the base, because one example of something that happened was, and I wasn't part of this action, I wish I had been, was that three women broke into the base along the shoreline and they weren't detected. So they actually entered the base and they found a patrol boat unattended with the keys in.
So they actually started this patrol boat up and they took it and they drove it into the base because all the guards thought it was one of our own boats. So they drove this patrol boat into the base before they were stopped and everything. Now this for me again is completely unbelievable, the lack of security around these bases, that ordinary people again can just cut through a fence, steal things like that and then gain access. But the peace camps are really important to keep people informed, build community, give people a taste of life on camp. And certainly for many of us who went on to get arrested and go to prison, the starting point was visiting the peace camp in a non-arrestable role. It was coming to cook or wash up or drive or organise things. And that was a very safe road in for us building our confidence in the movement and then being able to take steps accordingly and sort of increase our commitment. So I think I only have a couple of minutes left. Yes. One of the most amazing things I did in my life actually was a peace walk from London to Geneva, and most of that walk was through France. And it's not something I've ever had the opportunity to do before or since, just walk for nearly 2 months. And it was a very special and precious experience of seeing the beauty of France and the not-so-beauty of its nuclear establishments. And each evening we would stay in a different village or community and we would meet with them. And I was immensely moved by the hospitality of the French people. And sometimes we actually didn't have anywhere to stay. It hadn't been organised in time. And we'd simply go to the local market or a street corner and we'd start shouting out, "Hey, we're anti-nuclear activists. Can you give us all a bed for the night?" And every time people came to us and found us beds and fed us. And I like the ethic behind those walks because you can touch a lot of people. And it's a very powerful experience for the people who go on it. And so here's a few photographs from the walk from London to Geneva in 84 days. So, thank you for listening. A couple of last things I wanted to say was that we love to sort of keep solidarity going across the world between our brothers and sisters who are doing similar things. So if you've got protests going and you'd like some support from England, contact Trident Ploughshares through our website. Let us know what's happening and we'll try and keep you informed about what we're doing. And in particular, next year is our 20th anniversary of actions at the base. And we're going to be doing something quite big. We hope to have a big camp and lots of big things happening to celebrate this important anniversary. So I'd invite you now to keep posted on the Trident website. And if you feel like a holiday in the Scottish Highlands up there, it's very cold, you'll get bitten a lot, but it's also very wonderful. So thank you very much. Thank you, Marcus. And I hope after this, j'espère qu'après de telles photos, vous avez tous envie d'aller à Faslane ou Coolport pour participer à un des camps qui a lieu tous les étés pour se montrer face à la base, bloquer la base et avoir ce genre d'expérience assez extraordinaire. Je dois dire, j'y étais en mois de juillet dernier et ça fait chaud au cœur. Marion, à toi la parole pour Büchel. Alors là, c'est aussi chaud. Hein. Tiens. Hello. It's amazing since we haven't met in person before, but we have quite some things in common. I was also on a very intense peace walk from Brussels to Moscow, but I also stayed only 2 months of it. It took place for 9 months in 1995. And that was inspiring. And so I introduce myself again. I'm Marion Kübke.
and working for the German Peace Society of the United War Resister as the international coordinator against nuclear weapons. And I do this work against the US nuclear weapons in Büchel now since 21 years. Also similarity. And I'm part of the campaign council in Germany, containing 50 groups and organizations, like I mentioned before, earlier, Pax Christi, IALANA, the International Lawyers to Abolish Nuclear Wars, but also a lot of small peace groups and organizations. It's and also parties. We, since 2 years now, we have the Communist Party in there as well. And small left groups. And so, I'm gonna start this castle. I'm showing because this space in Germany where we have US nuclear weapons is in a very touristic area in central Germany, in a volcanic region at the Mosel River, where a lot of tourists, especially American tourists, are coming to visit Cochem and Koblenz. You might know it's not too far from Cologne, 150 kilometers. and this is the situation. We have right now 5 countries in Europe who have, which have US nuclear weapons. And it basically takes part, it's part of the NATO sharing agreement, which means all these nuclear weapons, like in Germany about 20, in Holland about 20, in Belgium about 20, in Italy on 2 bases, between 20 and 40 and 50, and also in Incirlik about 50. These are actually bases of the country's army, and these US bombs, by order of the US president, and everybody knows who is also US president right now, these bombs are being handed over towards the German pilots, towards the warplanes. In Germany, they call Tornados, in other countries, F-15, for example. And so it's going to be the German pilots in Germany who have to fly them to the targets and drop them. And each of the bomb has the explosive power about 10 times the Hiroshima bomb. Not to mention, or I mention it, the humanitarian consequences, because these bombs won't be test situations, like it won't be somewhere in the desert or in the ocean, which means they're going to cause tremendous amounts of fire on cities. And 20 bombs, that's what was proved by computer simulation, going to be enough for a nuclear winter for the whole northern hemisphere for about 10 years. So there is no way to use these bombs, even though they are being considered as... they could be used in a first strike, for example. That's part of the NATO doctrine. So that's how it looks like. This is a shelter for the tornadoes, and inside the shelter is an extra security shelter, which can be moved underground, so there's double concrete. That's the only protection in Germany they have for the bombs. I will tell later stories how easy it is to get there. So we have in Büchel about 11 of these shelters, and more shelters for the planes, but 11 inside these special shelters, and each one can hold up to 4 nuclear bombs. So it could be 44 if we use them all up. I'm coming now to our campaign, and that's something very special for Germany, goes for a certain amount of time and has certain specific demands. Our campaign wants the existing US nuclear weapons out, and actually there's an uprising, a so-called modernization plan. The US right now spends
a huge amount of money. It's going to cost about $13 billion to replace the old one if they're going to get constructed. So actually, in 2020, in the US, they want to start in different production sites to build, instead of the B-61, a new bomb, which calls B-61-12. And you see these sites there, Savannah River in Tennessee, or Y-12, no, not Savannah River, that's where the triggers are being produced, but Y-12 is where all nuclear components are being produced. In Kansas City, that's where the non-nuclear parts are being produced. And Pantex in Texas is where they put the whole bomb together. In Los Alamos, the bomb was designed. And so all these sites are important to make this bomb. And so when it goes into production into 2020, they plan to deploy them, these bombs, by 2024 in Europe. They plan to build about 400 altogether. Yeah, and that is actually our time frame, our window of opportunity as a campaign to make it possible to stop this with pressure and with civil disobedience. And we are doing this. Actually, in Germany, we are a little bit in a different situation than France and Great Britain, because you all have your own real nuclear program and have many more. We actually, in Germany, until 20 years ago, we thought they are all gone. In the 80s, last century, there was such a huge protest during the Cold War. Hundreds of thousands of people were going onto the street, and the people believed they're going to withdraw. There were thousands of US bombs in different countries in Western Europe. And most of them were actually withdrawn. So when we looked into it, we only found 20 in Büchel and a few in Rammstein, which are not there anymore. But we were thinking of, oh, that's an easy day, that easy thing to get these last remaining old-fashioned bombs away. But yeah, the situation right now is different. I have this Boeing picture because Boeing produces the wing for the new bomb, which means it shall make the new bomb more accurate. And it's also going to be a so-called intelligent bomb. So it's going to be, it's still a bomb which just falls down, but it's going to be guided a little bit into the target. And that's why they believe they're going to be less collateral damage towards civilians, because it's supposed to hit closer to where it's supposed to go to, which makes them more likely to be used too. At least that's what we think. So here I show this. This is the base. It's difficult to see right now. We have altogether 9 gates, but only 3 are really important because they have some kind of security check behind and they have a concrete road. And I show this because of explaining you about our protest. This is a go-in action which took place in 2009, actually. When we started out 20 years ago, and we were called Nonviolent Direct Action to Abolish Nuclear Weapons, we were thinking of, we are having a lot of trespassing go-in action, and by going to court, we're going to bring this to the highest court. The reason for it is we as Germans, we know pretty much that we have a right, or not only a right, we have an obligation to resist when something happens what is totally unjust, what is criminal. This is part of the Nuremberg trials, part of our history. And since 1996, there was the decision of the International Court of Justice saying that all nuclear weapons and the threat with nuclear weapons are illegal under international law. And the international law is above the German law. So that means the court
when we did bring these things into court, trespassing and property damage for cutting the fence, we thought the highest court actually, or the constitutional law, they would have to decide to bring international law into the game. And so we were, over all these years, 3 times successful bringing it to the highest court, but the court decided not to pick up the issue because it wouldn't be so-called in public interest. But that's interesting because we had a poll at that time and it was saying that more than 90% of the German population wants these nuclear weapons to be out. So that's definitely public interest. And also we are part of the non-proliferation treaty, and Article 1 is saying that the US is not allowed to give non-nuclear states nuclear weapons, and Article 2 says that non-nuclear weapon states are not allowed to take them from other countries. So anyway, that was what we were doing over the years until we decided, until the peace movement already got so much knowledge about these weapons that they were saying, okay, let's have a campaign about it. And in 2009, through our German-wide campaign, we got, first of all, we got 500 mayors for peace in Germany opposing nuclear weapons. And we got into the coalition treaty, the Liberal Party together with the Republicans, they wanted to negotiate for the first time inside NATO and during the NPT in 2010 to get these weapons out of Germany. But this has to take place with consensus. So what actually happened was that in 2011 at the NATO summit in Chicago, they secretly decided to so-called modernize them. Despite the fact that also in 2011, on March 26, there was a cross-party decision by all parties that they wanted these weapons to be out of the country. So, but now with the Ukraine and this current situation, the war on terror and so on, our recent government is declaring they have to do power and burden sharing and they are not doing anything to fulfill their promises. They first want everybody else first to abolish their weapons before they're gonna start. But anyway, we have this... we have every year discussions also with the parliamentarians, and since 2 years now we are having 20 weeks of action in Büchel, and we pretty much learned from Fastlane from Scotland. We were also there with the group and learned about the success, how important it is to be there again and again. It doesn't have to be every day, but every few days, and they don't know when we are coming during these days. It's an issue. And it's important also because I have to say that the way our government is dealing with it right now, where we have all the big organizations are involved, we never ever had somebody being persecuted for blockading. We had it 24 hours in 2013, 24 hours full blockade of all 9 gates. This year is the woman gate. Nobody was sued afterwards. Nobody got a fine. There was one guy for handing out flyers and he was released later. And what 3 times in this 20 years of action happened was that the organizers who are responsible for the website, they tried to get them into trial, and by this to stop our information to be spread all over. So now we are having about 11 people from different boards of big organizations
signed to be responsible on the website for the website to make this impossible. And what is also very successful is our idea. We don't want just people doing blockades or in action. They can come and have an exhibition there. They can come and preach there. They can come and have a vigil there, which is totally legal. But every group which comes there gets a full introduction of our campaign. And also everybody has the opportunity to sign our declaration of commitment, like we did in the 80s, to come during the next years, once a year, so that we gonna be more and more and more, and that we force by this, that we build up the pressure and force our government to finally react. And we were pretty successful this year, for example. When we started, we were lucky. The 26th of March, I told you, was a crossover all-party decision in 2010. This year, the 27th, was when the treaty ban negotiations in New York started. And we have right now so many mayors all around in the state and in the region who agree with us. So these are all the signs from the cities and villages who are part of Mayors for Peace and who want our government to sign the ban, and who are in solidarity, the treaty ban, and who are in solidarity with our actions. Here's a young group from UNEPA who's blockading. So I just want to show some actions. We're getting better year by year too, because we know how many gates we need to blockade, at which time the soldiers move in. You know, the blockaders, they want to be informed when they're going to be the most effective, and all in the same non-violent manner, like in Scotland and in Great Britain in general. So this year, for example, is Lebenslaute. That's a classical action group since the 80s. They exist, actually. They choose every year a favorite place where they have civil disobedience action. And then they sing there and blockade or go in, whatever. This is from the left group, a youth one. That's at the main gate. We had this year for the first time an international week with a US delegation from the US Plowshare Movement, with two nuns who were also part of the process of the treaty ban process. Altogether, 36 years of prison for actions in the US. One, you see Leona Morgan from the Navajo or Dene Nation. She's also here with us. And the amazing part was that this international week took place just 1 week later, when the treaty was finally ready, was worked out. So we were able to not only having go in actions, which one of them, the last one, was also able, five people, they went in secretly in the second fenced area, and they were sitting on a nuclear bunker and scratched. They were sitting there for 1 hour, and then they scratched this arm onto the door, metal or iron door, and then they were finally caught by the motion detector. And then they were fastly running up the roof. When the soldiers came, they were looking all on the ground, and so the activists got a bit scared, so they started to sing and lifted the banner. So it just shows, and this was the same, it was a big embarrassment for the army, for the military base. A politician from the Green Party was saying that, oh, you know, it seems to be as easy as being in an amusement park. And so now they blame us, for they want to put a bigger fence around it.
which they had planned anyway, but the same fence, the so-called more effective fence, we know from Birkfield or Aldermaston in Great Britain, and it's no problem to get in there as well. So that's, yeah. Here you can see young groups. They have been in 2016 in September on the runway and sprayed there, and they got a high peace prize in Germany. They are just having a trial and got minor things, but basically even the people who do trespass action, most of the times the next higher court gonna release them. They don't want to have these young people in prison, and they don't want to have media attention, because they know that what they are doing is illegal under international law and crazy. Yeah, so this year are young doctors from the International Physician to Prevent Nuclear Wars. They had this year their second week in Büchel during this 20 weeks and decided to have now, until these weapons are gone there, every year a 1 week their board meeting and actions at the base. So we're going to see them next year again. And they also tried these lock-ons, which we know from Great Britain, because these ones are a simple plastic one, because actually it's people need quite a training not to injure themselves to use these lock-ons. And people can't just jump right into it. And as we know, young people are often very enthusiastic in doing these things. So, but yeah, we had a lot of fun with this. Here are the other doctors all together, yes, at the roundabout, directly at the main entrance. And this year, for the first time, we had the bishop from Trier, Ackermann, who was coming because the Pope, actually, he also spoke out against all NATO countries who did not go into the negotiations for a treaty ban. And so more and more, the bishop from Fulda, we have a lot of solidarity delegations. So it's really great that we are open to a broad peace groups and organizations. And another person here, Hope, we have here too, in the audience, next left to the Pope. So this is a peace medal we are having, where each group who comes there and has an action leaves a banner or another symbol. So and this is visible from a big street. Even so, after this 20 weeks, people who live there, they see every day and are being remembered that we are existing. This was solidarity action for Facebook for the march, the women march against the bomb. And you can't see it, but this one sign I really like, grab him by the nukes, and there's Trump, his face. This year is another action, that was the second go-in action. We had three go-in actions. This was quite a one, public one we were having with the Catholic. There was Catholic workers from the Netherlands and from France, where there are a few, and from Belgium, and also the US delegation. And after a ceremony, and the base was totally locked, we decided to go in, and the main door, the foot passenger door, actually, they forgot to lock. Somebody wanted to ring the bell, another person tried the handle, and it opened up, and the soldier screamed, "Who forgot to lock the door?" They got really angry. So we, and they didn't have enough personnel there. So we were like more than 30 people going in, delivering bread onto some planes, which was in the entrance area as a symbol of showing deliver bread, not bombs. And we tried to share the bread with the soldiers
the police later on took it, not the soldiers. But it just shows how crazy it is, because we could have spread out all over the base if we just had planned it. And here another on the left, I don't know, Konstantin Wecker, you might not know, but in Germany he is a very famous singer. Together with two mayors from the region and some regional musicians. So we had a concert there too, just to have our message being brought also to the people in the region. With him, we also invited them to come. This is directly at the main base. So, I think I said everything from what I said. With the legal procedure, it's the same. We for sure stand totally in solidarity with each other if something should have happened. Nobody has to come up with the money by themselves for if there's a trial or something, and somebody doesn't want to follow it up or find if something like this could happen. And also in Germany, the situation is a little bit different. It's like you're gonna get a fine first, and then you have to pay the fine, and when you don't pay the fine, they try to blackmail you with prison to pay the fine. So if you still don't pay and you're in prison, then you can decide to pay to stay in prison for maybe 3 days or a week, and then you pay the rest, and then you come out straight away. So each day you are in prison is being taken off from the money you have to pay. And it was normally around 300 euro with the go-in actions in earlier years, not anymore the last, I don't know how many, but nothing for blockades. So, and for internationals, never ever. They never ever ask an international to come to a court trial because they don't want international attention. Definitely not. We're having, that's why I handed out this flyer here, we're having another international week in Büchel. So please, if you have time, if you want to get known to a lot of nice people and network a bit, you're invited to come, whatever you like to do. You can cook too, or help in the kitchen, or and we also have, because our solidarity declaration of commitment for the internationals doesn't really work, because we can't expect that you're coming once a year, but we have a declaration of solidarity. And I want as many of you to sign it, also with the organization you're with, and we putting this on our website. We already have about 400 international, really nice, wonderful people, Zahi Bakshas. We have people from all over the world. Look it up if you feel like. And also we have our own people who declared many hundreds to come once a year again. So that's, we are really looking here in Europe for a campaign to stop this, because this is one. Yeah, when you have a chair and you take one leg away, you can't sit properly. We hope that this whole nuclear building collapses. Okay, thank you. Merci Marion. J'espère que nombreux êtes-vous à vouloir aller à Büchel aussi pour l'été prochain? Il y a encore un camp. There is another camp this next July, I guess. 10th to the 18th. Voilà. Donc vous êtes invités au mois de juillet à Büchel pour participer à ces actions. Hello. Yeah. So the 10th to the 18th of July, and it's interesting because the 16th of July is when the nuclear bomb Trinity was in New Mexico on Navajo land tested, and also the church rock from the uranium mine, the biggest in the world. This accident was decades later, but also on
16th of July. And I just heard that July 10th and 11th is the NATO summit in Belgium, so that would be a good opportunity to start out in... And yeah, nous avons une amie de Belgique qui va venir aussi nous parler à la fin, après deux interventions en France, de français. Alors les interventions suivantes, c'est Jean-Marc Converse qui va nous parler de Valduc, près de Dijon, qui est la base française pour entretenir les bombes nucléaires françaises. Donc toutes nos bombes vont à côté de Dijon, à Valduc. Vous voyez tous les transports que ça implique. Toutes nos bombes vont se faire entretenir à Valduc pour être en permanence au top de leur puissance. À Valduc, donc, il y a ce centre du CEA qui, en plus, non seulement fait l'entretien des bombes, mais fait ce qu'on appelle des essais froids, c'est-à-dire des tirs nucléaires où la charge nucléaire n'explose pas, elle est remplacée par un composé métallique de même masse et de même propriété mécanique, mais qui n'explose pas nucléairement. Et donc, tous les programmes de modernisation de nos bombes sont faits, en fait, à Valduc pour l'étage qui amorce l'arme nucléaire quand elle doit exploser. Donc, en fait, toutes nos bombes qui sont soit à Istres pour les bombes qui sont sur les avions et soit à Brest pour les bombes qui sont sur les sous-marins, toutes ces bombes-là traversent la France chaque fois qu'il faut les mettre à jour, les moderniser ou tout simplement les entretenir. Donc, il y a des actions qui sont faites à Valduc depuis plusieurs années, devant la base et dans Dijon. Certains d'entre vous ont peut-être participé à ces actions. Principalement, c'est des actions du 6 au 9 août, dans le cadre plus général de ce qu'on appelle le jeûne international, où des gens à la fois jeûnent, mais à la fois font des actions aussi de terrain. Et donc, Jean-Marc va nous parler des actions de terrain à Valduc et à Dijon. Ah, c'est une minute et demie. Bonjour. Donc le CA Valduc, c'est ce qu'on appelle la direction des applications militaires. À vol d'oiseau, c'est 45 km de Dijon à peu près. Et ils font la maintenance. Donc nous, on est un petit groupe Sortir du nucléaire Côte d'Or, qui regroupe des associations, des partis, des syndicats, des citoyens. Bon, on n'est pas beaucoup d'actifs, hein, mais voilà. On organise des conférences. Et puis ça fait 4 ans qu'on fait le jeûne action internationale. Alors... simplement, donc il y a parmi le sortir du nucléaire, les plus actifs, c'est le MAN, Mouvement pour une action non violente, les Amis de la Terre Côte d'Or, et puis ils ne font pas partie du collectif Sortir du nucléaire Côte d'Or, mais ils viennent en appoint sur tout ce qui est militaire, le mouvement de la paix. Sur le civil, il y a encore beaucoup de débats. Donc on fait que des actions non violentes par définition. Un petit exemple de ce qu'on fait, il y avait un tour de Bourgogne des voitures électriques. Et donc pour nous, une voiture électrique, c'est 100% polluant si ce n'est pas 100% renouvelable. Donc symboliquement, on a mis derrière des voitures électriques à Dijon une remorque qui montre qu'il n'y a pas de pot d'échappement, mais ça produit des déchets. Voilà, une Tesla, on est très contents. Alors, on a démarré sur le nucléaire militaire principalement à partir de 2014 avec une conférence de Dominique Lalanne. Où on avait un peu plus de 100 personnes. Et donc voilà, c'est juste un centre d'études, hein. C'est pas dangereux, c'est que des études. Donc on a... Bon, là, je vais passer rapidement. On a sorti, alors là, c'est plus les Amis de la Terre Côte d'Or, une carte qui s'appelle Pocket Air. La première au monde, c'était Charbonito, donc c'est pour la BNP... BNP, une banque française, BNP Paribas, qui finançait le charbon. Donc là, depuis, on n'est pas tout seul, mais on a gagné. Elle finance plus le charbon, mais bon, elle finance encore la bombe. Donc on a sorti ensuite cette année la carte qui s'appelle Bombe Valduc. Et donc elles sont téléchargeables sur le site des Amis de la Terre Côte d'Or. Voilà. Donc cette année, on était place d'Arcy à Dijon, une place centrale. Et là, on avait vraiment les gens qui venaient nous voir. Les autres années, on était dans une place de Dijon beaucoup plus cachée. Et là, on avait pas mal de contacts. Et cette année aussi, on a sorti une carte postale. Donc c'était un visuel d'ICANN qui était en anglais, avec encore un point d'interrogation, banni, point d'interrogation. Donc maintenant, on savait déjà que début août, là, c'était 2017.
Et puis on a fait une carte postale en demandant à notre président de signer le traité d'interdiction de l'ONU. Et normalement, cette carte va être diffusée au niveau national, peut-être international, si les autres pays veulent faire chez eux aussi. Voilà. Une petite vidéo. Oh, oh. Donc c'est un petit reportage de la... Oh là là, où est-ce que je suis là ? Un petit reportage de la télé. Le dying, mourir en anglais, est un temps fort de l'action pacifiste menée devant le CEA de Valduc par cette trentaine de militants anti-nucléaires. Parmi eux, certains ont fait le choix de jeûner pendant ces 4 jours de commémoration. 72 ans après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, le collectif Sortir du nucléaire n'a jamais été aussi déterminé. On demande depuis des années un traité d'interdiction. Et là, grande nouvelle, donc le traité a été voté par l'ONU. Et on demande la ratification par le président, notre représentant. S'il veut rentrer dans l'histoire, il n'a qu'à voter le traité d'interdiction au nom de la France. Le site de Valduc est spécialement phare pour nous Dijonnais, parce que, évidemment, c'est ici qu'on réénergétise et qu'on remet en état toutes les bombes nucléaires françaises. Il y en a 300. Ambiance recueillie quant à qui interprète un chant japonais à la mémoire des victimes des bombes atomiques. Je suis d'origine japonaise et donc Hiroshima, Nagasaki, ça a toujours été dans la famille un souvenir important à commémorer. Cercle de silence, slogan, déguisement, tout est fait pour marquer les esprits et la jeunesse n'est pas de reste. C'est nous plus tard qu'allons reprendre un peu le mouvement, donc plus les jeunes seront affectés par ça, plus ils vont se manifester et quand ce sera notre tour de reprendre leur lait, on va pouvoir essayer de changer les choses, donc autant de s'y mettre maintenant. La manifestation se poursuit avec le groupe Les Buraleurs. D'autres rendez-vous sont prévus les 7, 8 et 9 août prochains à Dijon. Voilà. Alors, ben c'est comme en Allemagne et en Angleterre et ailleurs, on embauche pour avoir plus de monde. Parce que après, ben j'ai quelques photos des années précédentes, mais je ne sais pas si je peux peut-être laisser la place aux autres groupes. Merci Jean-Marc. Donc là aussi, si vous voulez passer des vacances intéressantes, Dijon vous accueille. N'est-ce pas Jean-Marc ? Donc le site important aussi en France, c'est le Mégajoule, près de Bordeaux, au Barp exactement. Donc là aussi, il y a une action de longue date qui se tient devant le Mégajoule, au rond-point d'entrée. Donc tout le personnel du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, qui travaille au Mégajoule, eh bien, passe devant ce rond-point. Et là, sur ce rond-point, il y a un torii qui a été érigé par un collectif d'associations de la région. Ce collectif, donc, régulièrement fait des manifestations, ce qui s'appelle des Occupy Rond-Point. Hein, en français, c'est Occupy Rond-Point. Voilà, oui, voilà. Donc, vous voyez, on est internationaux. Et donc, c'est pour sensibiliser le personnel du centre du Mégajoule, qui, je vous le rappelle, font des tests pour essayer de mettre au point des armes nucléaires qui seraient déclenchées par un laser. Donc ça serait futuriste, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus besoin de plutonium ou d'uranium. Et le gros avantage d'un déclenchement par laser, c'est que vous n'avez plus ce problème de masse critique. Je remplis le temps parce qu'ils ne sont pas prêts. Vous n'avez plus ce problème de masse critique de 5 kg de plutonium. Et 5 kg de plutonium, c'est forcément une bombe un peu comme Hiroshima. Enfin, comme Nagasaki, en l'occurrence, puisque c'était du plutonium à Nagasaki. Donc, c'est difficile de faire des bombes très petites. On peut faire des bombes très petites, mais ça serait plus commode. Et en plus, ça serait une bombe idéalement non polluante. Donc, c'est la bombe écologiste. Ça, je vous parle comme si j'étais un pro. Hein. Merci, Jean-Marc, pour nous parler du nez du Mégajoule et des Occupy Rond-Point. Oh, oh. Merci. Bon, Dominique a tout dit, donc j'ai terminé. Alors... Jean-Marc Louvet, je représente ici l'association Négajoule avec un N comme nom. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette carte, on vit dans une région merveilleuse.
où on nous prépare des guerres. En commençant par l'industrie du nucléaire dit civil, avec la centrale de Blaye au nord, sur l'estuaire, qui est très large à cet endroit-là, et qui a failli nous faire Fukushima en 1999. Maintenant, les quatre réacteurs tournent au mélange d'oxyde de plutonium et d'uranium. On a tout le complexe militaro-industriel qui nous développe et nous construit des missiles, des avions de combat, des drones et des armes. Le centre de tir de Sognac et Muret, où ont été testés des projectiles à l'uranium appauvri. Les deux bases aériennes de Mérignac et Cazaux, où sont entraînés des pilotes français et étrangers sur Rafale, sachant que le Rafale, c'est le vecteur aérien de l'arme nucléaire, c'est même sa raison d'être. Hein, et comme Dominique l'a évoqué plus tôt dans la journée, l'Inde nous a acheté les Rafales, de l'aveu même du ministre indien de la Défense. C'est le Rafale qui a emporté le marché parce qu'il transporte l'arme nucléaire, pour bien le répéter. Le centre d'essai des Landes de Biscarrosse, où sont testés les missiles intercontinentaux, donc le M51. Et la cerise sur le gâteau, le sommet de la pyramide, le laser mégajoule, où la France tente de mettre au point de nouvelles armes, une nouvelle génération d'armes nucléaires. Voilà, le laser mégajoule, qu'est-ce que c'est? Déjà, la France a mené des essais en Algérie. On a même mené après l'indépendance de l'Algérie. On a mené en Polynésie. Je ne dis pas Polynésie française parce que le NUNU nous a demandé de décoloniser. Et enfin, après quelques derniers essais, Chirac avait dit à l'époque, oui, en 95, oui, laissez-nous terminer quelques essais, voilà, pour peaufiner notre bombe. Hein, on a déménagé toute cette technologie au BARP, où on tente de créer une explosion thermonucléaire en laboratoire. Il y a, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a 196 faisceaux laser qui shootent deux noyaux de déthérium dans une sphère en acier de 10 mètres de diamètre, et tout ça protégé par un bunker énorme où il y a plus de béton qu'au viaduc de Millau. Les objectifs annoncés, le discours officiel, la propagande, nous dit que c'est pour maintenir un état de fonctionnement, notre force de dissuasion. Mais l'argument ne tient pas debout une seconde parce que les autres pays dotés de l'arme nucléaire n'ont pas ce type de programme et pourtant ils sont crédibles. C'est-à-dire, le principe de la dissuasion, c'est j'ai la bombe, elle fonctionne et je peux l'utiliser. Voilà. Donc derrière tout ça, en fait, il y a la validation de notre armement existant, hein, des tests océaniques du missile M51, ses versions ultérieures, parce qu'il prévoit dans l'avenir à 50 ans, hein, les versions 1, 2, 3, et surtout, c'est pour ça que j'ai mis ça en rouge, la conception de nouvelles générations d'armes nucléaires, des mini-nukes, des bombes de taille miniature, quoi, une bombe à 50 000 morts, tiens, tu veux une bombe à 100 000 morts, voilà, et qui seront destinées à être réellement utilisées par rapport à des bombes de la taille d'Hiroshima ou voire plus grosse. Et tout cette bagatelle nous a déjà goûté 7 milliards d'euros et il y en a 7 autres qui sont budgétisés. Voilà. Et si ça marche, parce que les États-Unis avaient un programme similaire, le National Ignition Facility, qui lui a été abandonné hein, pour gabegie financière, impossibilité d'atteindre l'objectif. Il faut savoir que c'est les rêves d'Icare. On rêve de reproduire les conditions du physique d'une explosion thermonucléaire ou les conditions que l'on trouve à la surface des étoiles. En violation, bien sûr, du traité de non-prolifération et du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Voilà la bête. Alors, pas mal d'actions de désobéissance civile ont eu lieu. Moi, je suis relativement récent dans cette histoire, mais voilà, dans les années 70, 80, et surtout dans les années 2000, il y a eu des festivals anti-atomiques, là, organisés par le réseau Sortir du nucléaire, dont on voit son président Stéphane Lhomme. Des actions d'inspection citoyenne lors des journées européennes contre l'armement nucléaire,
sur le centre de Biscarrosse, où il y a quelques dizaines de militants qui sont rentrés sur la base. Il y a aussi des largages de ballons avec des couvertures en aluminium pour essayer de perturber les radars. Voilà. En mer, il n'y a pas eu d'action, mais il y a deux, trois idées qui ont été lancées à ce propos. Et en 2011, on a créé l'association Négajoule. Alors, pas confondre avec Mégajoule. Négajoule a un N comme nom, voilà, qui essaye de relier nucléaire, civil et militaire, pour qui la mort a le même objet. Voilà, association antinucléaire, pacifiste et antimilitaire. Ça va de même. Des camps de la paix ont été organisés en 2014 et 2015, juste à proximité. Pas depuis, parce que justement, les organisations collectives du collectif autour de notre association Négajoule se sont étiolées, hein, comme beaucoup. On a mené une action alerter les bébés avec un clin d'œil à la chanson d'Igelin. C'est en fait essayer de faire sensibiliser les populations autour sur les risques réels annoncés par le CEA sur le site. C'est-à-dire que si le bâtiment est aussi isolé, si on atteint des conditions physiques aussi extrêmes avec des millions de degrés, des pressions de centaines de fois la pression atmosphérique terrestre, c'est qu'il y a un risque derrière. On a essayé de faire établir un plan particulier d'intervention par la préfecture, mais tout ça, évidemment, c'est resté lettre morte, parce que c'est à partir du moment où la grande muette admet qu'il y a danger, c'est la faille dans le système. Voilà. Les maires pour la paix, on a démarché tous les maires autour du laser Mégajoule et sans succès. Le seul maire pour la paix que, à ma connaissance, existe en Gironde, c'est Noël Mamère, de la commune de Bègle. Le jeune Action Internationale a lieu chaque année devant le laser Mégajoule, comme ailleurs en France, Val-Duc, Paris. Voilà. Des manifestations, certaines ont été assez nombreuses, hein, avec de l'imaginatif, avec un laser monté sur une R21 pour désintégrer le laser Mégajoule. Et puis les actions contre les banques. Voilà, on a repris le logo, on a remplacé le dollar par un euro. Et on est intervenu, donc, effectivement, je confirme, le Crédit Mutuel, oui. Et beaucoup d'autres banques financent l'arme nucléaire. Donc, on fait ça de préférence dans les beaux quartiers de Bordeaux pour marquer les esprits et commencer à dialoguer avec les gens clients de ces banques. Voilà, en 2011 est passée une des deux marches des indignés qui sont passées par le laser Mégajoule, et on a ignoré une forme d'action qui est d'occuper le rond-point. Et depuis donc 2011, on occupe le rond-point tous les mois. On en a été à la 61e fois le mois dernier, avec banderoles, drapeaux et puis des fûts, par exemple, des fûts avec de faux fûts de déchets atomiques. Et lors du passage des indignés, deuxième passage, on a fait un mémorial, un petit mémorial de la paix qui a disparu. Donc nous avons porté plainte en gendarmerie pour profanation de mémorial. Cette plainte a été acceptée et enregistrée. Et en 2012, au 6 août toujours, illégalement sur un terrain du Conseil Général, face au laser Mégajoule, on a installé un tori. Qu'est-ce que c'est qu'un tori ? C'est un portail sacré japonais qui marque la délimitation, la limite entre le monde physique et le monde spirituel. Donc voilà, on a placé la lutte contre la bombe atomique au niveau auquel il doit être, c'est-à-dire au niveau du droit à la vie. Hein, à la paix, au droit à la vie. Donc on voit sur le montant en bois, on a marqué paix en français, en gascon et en anglais. Alors évidemment, ça va plus aux autorités. Donc après une longue bataille politico-médiatico-juridique, ils ont procédé à son enlèvement. On voit au bout des deux flèches
les fondements du Tory. On l'a récupéré et réinstallé sur place quelques mois après. Malheureusement, une nuit, des affreux sont venus et avec une tronçonneuse, nous ont découpé notre Tory. Donc scandale à nouveau, médiatisation de l'affaire, nouvelle plainte en gendarmerie, acceptée, enregistrée pour profanation de mémorial. Et là, maintenant, il a un statut légal. Et du coup, on en a restauré un. Donc on voit sur la photo du haut le nouveau à droite, les fondations de l'ancien à gauche, et le nouveau, il est en acier. On a mis deux plaques Hiroshima et Nagasaki, et planté des ginkgo biloba qui sont symboles de la résistance du monde végétal au nucléaire. En prévenant bien les autorités bleues, kaki et autres du coin, que si jamais il arrivait malheur à ce tori en acier, c'était l'histoire des trois petits cochons, la maison en paille, la maison en bois et la maison en brique. Donc le tori en bois, le tori en métal, et s'il lui arrivait malheur, eh ben, on viendrait avec la toupie de béton, le tractopelle et la grue pour implanter quelque chose d'encore plus durable. Donc depuis, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Merci. Et donc voilà, pour terminer, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, sachant que dans les décennies précédentes, il y avait des centaines de personnes prêtes à manifester, voire à investir des bases militaires. Et ici, vous avez vu sur la première carte, on a l'embarras du choix autour de chez nous. On est dans des régions hyper militarisées. Mes voisins travaillent pour faire les tuyères sur le M51. Il y a du militaire partout, etc. Là, la dernière action, il y avait deux militants lors du dernier tir du missile M51 à rentrer sur le centre des Cédélandes. Voilà. Les camps de la paix n'ont plus lieu parce qu'on n'est plus assez nombreux. Et voilà. Donc la question est comment faire pour mobiliser des militants, comment faire pour être... plus de jeunes aussi, et puis pour plus alerter les populations, faire en sorte que inverser le discours de propagande, de broche de crâne sur la nécessité vitale de l'arme nucléaire qu'on nous assène depuis des décennies. Merci. Est-ce que notre ami de Belgique est là ? Tu avais prévu de mettre deux, trois photos, tu m'avais dit. Oui. Donc en Belgique, vous savez que c'est quand même le siège de l'OTAN qui est notre défense nucléaire partagée et qui construit donc un centre tout à fait nouveau. Et ensuite, il y a aussi une vingtaine de bombes nucléaires américaines dans une base... bombes nucléaires qui vont être modernisées comme les bombes allemandes. Et donc, nos amis belges font de nombreuses manifestations devant cette base et aussi devant l'OTAN. Et en particulier, au mois de juillet prochain, il y a une grande manifestation qui est prévue pour l'inauguration du siège de l'OTAN. C'est ça ? Non ? Ça, c'est fait. Alors, en juillet prochain, c'est quoi ? Oui, donc l'inauguration du siège de l'OTAN, c'était en mai, en fin mai de cette année. Et donc il est inauguré, donc il va servir. et donc effectivement, il y aura bien un sommet de l'OTAN, un vrai sommet de l'OTAN prévu pour deux jours, les 11 et 12 juillet prochains, donc 2018. Et effectivement, on a les dates depuis la semaine dernière, enfin depuis très peu de temps. Et donc effectivement, j'ai bien compris que ça tombait au milieu de la semaine d'action prévue à Bruxelles. Et donc, effectivement, c'est peut-être intéressant de trouver... Pardon ? Non, but I mean, yeah, it can be a very nice beginning, I think. And it can lead from Brussels to Butchel, probably. We can try to find a way to do something interesting. Ouais, donc, merci. Oui, c'est ça. Donc, en fait, la situation de la Belgique... Merci. La situation de la Belgique en matière d'armes nucléaires, c'est celle d'un pays parapluie, hein, comme l'Allemagne,
comme l'Italie, comme les Pays-Bas. Bon, la Turquie, on ne sait plus très bien exactement où elle en est, mais avec ses bombes nucléaires. Mais en tout cas, pour nous, c'est notre cas. Et évidemment, comme on a à la fois le quartier général de l'OTAN qui est installé à Bruxelles, ainsi que le quartier général militaire pour l'Europe de l'OTAN, qui s'appelle le SHAPE, qui est installé à Mons. Ça fait beaucoup, évidemment, de symboles pour un tout petit pays qui, finalement, n'existe au point de vue international que par ces institutions-là et parce qu'il y a Bruxelles, capitale de l'Europe. Donc évidemment, ça limite un peu la question du dialogue avec les autorités à quelque chose d'extrêmement symbolique et c'est très difficile de dépasser ça. Alors il y a, depuis l'arrêt de la Cour internationale de justice qui a eu lieu en 1996, il y a eu un grand espoir basé sur cet arrêt de la Cour internationale de justice qui a mené effectivement les pays européens qui ont l'arme nucléaire à faire des actions de désobéissance civile. En tout cas, les militants antinucléaires ont essayé vraiment de faire des actions de désobéissance civile et c'est pour ça qu'il y a eu 20 ans en fait que cet arrêt est tombé en 1996. Il y a eu 20 ans il n'y a pas longtemps, c'est pour ça aussi que Böttcher il y a 20 ans l'année prochaine. Et donc la Belgique n'a pas échappé à la règle. Il y a eu pendant longtemps une campagne qui s'appelait Bomb Spotting, qui était de l'ordre de montrer du doigt les bombes, tout simplement parce que quand on est un pays parapluie, eh bien ça veut dire que les bombes ne sont pas officiellement là. Donc elles sont là grâce à un accord bilatéral entre les États-Unis et la Belgique. Merci. Mais elles ne sont pas officiellement là. Ce qui veut dire que lorsque vous voulez interroger le ministre de la Défense sur la présence de ces bombes, il ne peut ni infirmer ni confirmer. Et donc, au niveau du dialogue, ça rend les choses très compliquées. Donc, il a fallu faire un gros travail sur l'opinion publique pour essayer de conscientiser les gens qu'effectivement, oui, elles sont là. Et donc, les actions de désobéissance civile font partie des outils qui sont utilisés pour arriver à ça. Et ça a fonctionné. Très bien, notamment au nord du pays, puisque la Belgique est un tout petit pays, mais très compliqué au point de vue institutionnel. Il y a 3 langues officielles et voilà, et c'est très difficile de faire les choses en commun. Mais donc, ça a très très bien fonctionné au nord du pays, avec une petite communauté francophone qui y a pris part. Et donc, j'ai eu l'occasion, moi, de participer à une dizaine d'actions. Sur la base de Kleinbrogel, de vraies actions de rentrée sur la base. Certaines de ces actions se faisaient dans des actions de masse, où nous étions plusieurs centaines de personnes, voire jusqu'à 2000 personnes certaines années, avec là une journée d'action qui était décidée de longue date, qui était annoncée et pour lesquelles il y avait des formations qui étaient données au préalable. Et qui drainait effectivement beaucoup, beaucoup de militants, mais aussi dans des actions de désobéissance civile qui avaient lieu de façon tout à fait non annoncée, non prévue, et qui là avaient plutôt lieu dans l'idée d'aller chercher des images à l'intérieur de la base et de faire sortir ces images, pouvoir les diffuser, évidemment communiquer sur ces questions. Et donc ça mène... C'est pas mon ordinateur, donc je vais essayer de. Voilà. Ça mène effectivement à pouvoir obtenir, à faire des vidéos. Ce sont des vidéos en fait, ce ne sont pas des photos que nous diffusions, c'était des vidéos. Donc les photos sont de qualité très moyenne parce que c'est des photos tirées des vidéos. Mais ça permet effectivement de faire de la pédagogie en montrant sur la base de Kleinbrogel, qui est une base militaire belge, une petite partie de la base ici. Qui, elle, est en fait gardée par des militaires américains. Donc c'est un petit bout de Belgique qui est annexé par les États-Unis et qui est en fait l'endroit où se trouvent les hangars, les points orange, où se trouvent donc en dessous, dans ces hangars, mais dans le sol, où sont stockées les armes nucléaires. Et la base de Kleinbrogel, c'est aussi évidemment un endroit d'où s'entraînent les F-16. Ils décollent et ils atterrissent là-bas. Donc ceci étant très logique, mais ça permet effectivement de rendre les choses publiques. Alors, ouais, je suis désolée pour le format de la photo, mais en fait, c'est une des très, 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 très rares images que nous avons pu prendre lors d'une de ces actions de désobéissance civile en tout petit groupe, où nous sommes rentrés donc, dans cette base militaire et où nous avons pu photographier à quoi ressemblait à ce moment-là à l'intérieur d'un hangar. Et donc effectivement on ne voit pas les bombes parce qu'elles ne sont pas sorties contrairement à la photo de Marion, mais elles sont quelque part dans le sol, en tout cas une au moins.
Oui, voilà. Ça aussi, c'est une photo tirée de la même action qui permet de voir les systèmes, des systèmes qui ont vraiment été confirmés par des gens qui ont travaillé sur cette base et qui sont retraités depuis, qui nous ont confirmé qu'effectivement, c'était bien des systèmes qui sont liés à l'utilisation de l'arme nucléaire. Et donc, ces images ont fait beaucoup de bruit et elles se sont retrouvées sur des sites internet. Notamment, elles ont été commentées par la Fédération des scientifiques américains, qui se sont quand même posé de grosses questions sur la sécurité de cette base, en disant « enfin, c'est quand même pas possible que ces choses arrivent ». Et donc, il y a une vraie remise en question au niveau américain de la sécurité de ces bases et donc de l'opportunité de laisser ces bombes nucléaires-là. Alors, en Belgique, il y a eu des mesures qui ont été prises pour augmenter la sécurité de Kleinbrogel. Notamment, on y a mis des détecteurs de mouvement. Donc maintenant, les grilles qu'on passait extrêmement facilement sont des grilles sur lesquelles il se trouve des... On voit des fils assez épais qui zigzaguent tout le long de la clôture et qui sont censés pouvoir donner l'alerte lorsque, dès le moment où quelqu'un s'approche et met les mains sur la clôture. Alors, évidemment, on ne fait pas que des actions de désobéissance civile dans ce genre de campagne. Hein, vous en avez vu déjà plusieurs exemples avant moi. Donc, on est allé peinturer le ministère de la Défense en peinture lavable, rouge, ce qui a valu un procès, ce qui nous a valu un procès d'ailleurs, et un juge qui a joliment tapé sur les doigts au ministère de la Défense en disant « Non, mais c'est de la peinture lavable, vous rigolez ou quoi? Est-ce que vraiment ça vaut un procès ?» Ça, c'est le nom de la nouvelle campagne, celle qui se fait du côté francophone maintenant, une campagne d'Agir pour la paix, qui est la suite de Bombspotting. Bombspotting s'est terminée en 2012, et je tiens à le dire parce que c'est important aussi. Bombspotting avait beaucoup de popularité en Belgique et en Europe, ça fonctionnait très bien. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, on s'est posé la question de savoir si on avait encore quelque chose à gagner avec cette campagne. La campagne était basée sur le fait de violer la loi par rapport au traité de non-prolifération. Et le traité de non-prolifération, il galérait vraiment, vraiment, parce que c'est aussi la raison pour laquelle il y a eu le traité d'abolition des armes nucléaires par la suite. Et donc, à un moment donné, on s'est posé et on a dit, bon, OK, c'est bien de drainer des gens, c'est bien d'avoir des activistes, c'est super, on se plaît bien, ce sont des chouettes moments de rassemblement, mais politiquement, est-ce qu'on peut encore gagner quelque chose? Et la réponse était non. La réponse était non, tout simplement. Et donc, on a arrêté la campagne là, parce qu'on ne voulait pas que ces actions de désobéissance civile, qui sont des risques légaux quand même que les gens prennent, ne deviennent un Disneyland. C'était bien sûr un moment chouette pour tout le monde, mais c'était aussi un moment de poussée politique, de pression politique. Et si on n'a plus cette pression politique, si on n'arrive plus à la mettre, ça ne sert à rien de continuer ce genre d'action. Et donc, on a effectivement arrêté cette campagne pendant quelques années. Et donc, elle recommence maintenant du côté francophone principalement, et elle s'appelle Nuke Free Zone. Et donc, on a effectivement l'intention de recommencer ces actions de désobéissance civile. Je pense que c'était important de le dire, parce que parfois, il faut effectivement pouvoir arrêter les choses, se poser et réfléchir et voir les opportunités futures. Et le traité, ce nouveau traité d'interdiction des armes nucléaires, c'est une vraie opportunité pour ce genre de campagne. Avant d'ouvrir une discussion générale sur nos futures actions de désobéissance civile, j'ai encore quelques photos à vous montrer sur ce qui s'est passé à Paris au mois d'août et puis sur ce qui se passe régulièrement devant le ministère. Donc ça, c'est du 6 au 9 août, ce qu'on appelle le Jeune Action, qui sensibilise les Parisiens et les médias, en principe, sur Hiroshima, Nagasaki et l'abolition des armes nucléaires. Alors, on a eu à cette occasion une visite de clowns activistes au siège de La République En Marche, qui est le nouveau parti politique qui domine maintenant la vie en France, pour demander au président de la République, qui n'était pas présent évidemment, mais qu'on lui transmette
l'obligation que devrait avoir la France de signer le traité d'interdiction. Évidemment, on s'est fait expulser par des policiers. Et la personne qui est devant, là, devant la banderole, je ne sais pas si on la voit très bien, Rémi Fillot, a été ensuite en garde à vue pendant 24 heures dans un commissariat de police. Et ensuite, il est convoqué à un procès au mois de décembre. Vous pouvez signer une lettre de soutien sur une table à l'accueil pour montrer que nous sommes nombreux à refuser qu'un militant se fasse convoquer à la justice et peut-être condamné. On demande la relaxe, mais peut-être condamné pour avoir demandé dans un local d'un parti politique qu'on puisse signer un traité d'interdiction. Voilà ce qui s'est passé à la plage de la Grande Motte par les amis de Montpellier, qui faisaient aussi à Montpellier un jeune action. Voilà ce qui... Moi, j'ai une image de Valduc, voilà, donc... Mais Jean-Marc a déjà tout dit. Ça, c'est ce qu'on fait devant le ministère de la Défense une fois par mois. C'est ce qu'on appelle des vigies. Vous avez aussi sur une table à l'entrée un petit fascicule « Comment faire une vigie dès que vous êtes trois personnes intéressées ?» Donc l'idée de la vigie, c'est de provoquer la population qui passe par une interpellation physique avec un déguisement en noir avec des masques blancs. Vous voyez les gens là. Évidemment, le message est simple sur des banderoles ou sur des panneaux. Et donc depuis 12 ans, on fait ça devant le ministère de la Défense à Paris. Et... il y a 12 ans, les réactions étaient plutôt hostiles. Maintenant, elles ne sont pas plutôt hostiles, elles sont parfois hostiles, mais quand même très souvent favorables. Les gens nous lèvent le pouce et nous disent bravo. Voilà, donc c'est un progrès dans la mentalité du personnel du ministère de la Défense. Là, c'est ce qu'on a fait l'année dernière devant le ministère, un dying géant pour célébrer les 50 ans et désapprouver, évidemment, les 50 ans des explosions nucléaires françaises. Vous voyez que la police est parfois bon enfant, elle nous laisse faire. En principe, ce sont des manifestations interdites, je vous le dis tout de suite. On a une autorisation officielle pour être ailleurs, mais on se trompe de lieu, et donc on se trouve devant le ministère de la Défense. C'est une erreur de notre part, et on assume cette difficulté qui souvent se passe mal, mais parfois se passe bien. Et là, vous voyez qu'on est en discussion avec... Le commando de sécurité du ministère, et la discussion est, ma foi, cordiale. C'est le colonel qui s'appelle le colonel vigilant, je vous le passe quand même, hein. C'est un nom qu'il faut retenir, le colonel vigilant qui est le responsable de la sécurité du ministère de la Défense de la France, eh bien, c'est notre copain. Et voilà le dernier contrôle qu'on a eu de la police, c'était le jour où on avait le prix Nobel. Et ils ont voulu faire un contrôle d'identité un peu sévère pour savoir qui était ces nobelisés. Évidemment, c'est normal. Voilà, merci. Donc, vous avez la parole pour un débat sur des actions, comment vous voyez les choses, comment conscientiser la population et comment, finalement, obtenir l'élimination des armes nucléaires. Descendre pour donner le micro, parce que sinon la traduction ne peut pas avoir lieu. J'ai entendu parler qu'il y avait un projet de vigie un peu dans les départements en France, éventuellement devant les préfectures, je ne sais pas ce qu'il en est. Est-ce que quelqu'un peut répondre ? Nous, ce qu'on a fait au niveau de notre association Abolition des armes nucléaires, on a fait un petit fascicule pour proposer des vigies qui peuvent être partout, qui peuvent être devant les préfectures, qui peuvent être dans des rues passantes, qui peuvent être... l'idée, c'est justement de fabriquer du débat en interpellant pour que les gens se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces cinglés là, qui viennent avec un masque blanc nous parler d'armes nucléaires alors que ce n'est pas le sujet ?» Mais pour l'instant... Il n'y a pas encore de vocation de gens qui veulent vraiment faire ça de façon régulière. Donc la réponse, c'est que j'attends les vocations. À nous, en ce qui concerne le département des Vosges, on étudie l'idée là, puis certainement qu'on va y aboutir
raison d'une demi-journée par mois ou deux mois. Oui, moi c'est une question pour la Belgique. Quelles ont été les raisons qui vous ont amené à faire une campagne pour les zones dénucléarisées? Je veux dire, comment êtes-vous arrivé à cette idée-là, quoi? Ça m'intéresse beaucoup. Oui, effectivement, ça fait partie de la réflexion de ce qu'on pouvait mettre en place après Bomb Spotting, en fait. Ça fait partie de la réflexion de ce qu'on allait mettre en place pour continuer à combattre les armes nucléaires, donc dans l'après-campagne Bomb Spotting. Et donc, il nous a semblé intéressant, effectivement, d'expliquer au public en Belgique qu'il existait des zones exemptes d'armes nucléaires, qu'elles sont très officiellement reconnues par l'ONU, ce qui n'est pas forcément la partie la plus connue de la lutte antinucléaire, hein, faut quand même le dire, tout simplement parce que quand on regarde sur la carte du monde où elles se trouvent, elles occupent pratiquement tout l'hémisphère sud et rien dans l'hémisphère nord, ça veut dire tout à fait quelque chose sur les questions de domination géopolitique mondiale, hein, c'est évident. Et donc ça nous a semblé intéressant en tant que pays européen qui fait partie des pays parapluies de l'OTAN, bah, si l'OTAN peut se permettre de jouer à essayer de créer des zones entre certains pays européens qu'ils font rentrer dans sa propre zone d'influence, ben nous, on aimerait bien faire la même chose, mais de l'autre côté. Et donc, ça nous a vraiment semblé intéressant comme façon aussi d'essayer de voir le monde de façon un peu différente. Ce n'est pas gagné d'avance, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est un concept intéressant. Oui, je me demande dans quelle mesure, peut-être, il me semble qu'il manque en fait sur une, il y a une défection au niveau citoyenne, c'est-à-dire que il y aurait à créer, c'est-à-dire qu'il faudrait exercer la démocratie, mais dès la base, pas seulement au café en prenant position. Au café, mais aussi en prenant position vraiment officiellement par la signature, par exemple, d'un texte en tant que citoyen d'une commune et faire des collectifs mais qui soient communaux pour remonter et sur ces sujets, que ce soit sur ce sujet ou d'autres, mais qu'il y ait un espace d'expression sur les sites où on puisse proposer un texte clairement pour l'abolition des armes nucléaires et que le peuple français qui quand même finance et contribue, je veux dire, c'est quand même lui qui paye, qui est un peu le maître d'œuvre de ça, que c'est tous ces citoyens français qui contribuables puissent prendre position et y a une citoyenneté à se réapproprier, notamment sur les communes, en créant un outil maintenant avec les nouvelles technologies. Il semblerait qu'on puisse sur un site proposer un texte citoyen, n'importe quelle personne sur la commune, et remonter petit à petit, parce qu'après on monte au conseil municipal, qui va peut-être prendre position si effectivement le texte est signé par plus de la moitié de la population. Et puis ensuite, mais que ça soit pas comme ça dans un espèce de grand... mais que ça soit circonscrit dans l'organigramme de l'organisation sociale, enfin, de l'État, quoi. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un des maires pour la paix dans la salle? Mayor for Peace, non? C'est un peu dommage, parce que c'est une association qui fait ça. C'est exactement ça, et donc elle existe en France pour un certain nombre de communes, et dans laquelle chacun avec ses moyens essaye effectivement de faire ce mouvement ascendant à partir de la base, des communes, vers le haut. Mais là, il n'y a pas de représentant dans la salle. Si je me permets, je peux rectifier, c'est-à-dire qu'avant de passer à l'échelon commune, il faut passer à l'échelon citoyen. Il faut créer cet outil sur chaque commune. Donc c'est à chacun, sur sa propre commune, à essayer déjà de peser pour qu'il y ait, voilà, cet espace d'expression
où on va pouvoir proposer un texte, prendre position et puis voir un petit peu sur les... Et c'est vrai que c'est un travail de fourmi qui serait bien à, voilà, de mettre en place pour ce sujet comme pour d'autres, sur des affaires nous concernant, parce qu'on est sur le plan local ou national, voire notre contribution internationale. Une des difficultés qu'on a pour que la mayonnaise commence à prendre, comme tu dis, au niveau citoyen, c'est l'occasion d'interpellation. Et c'est un peu l'idée de ces vigies où on se déguise d'une certaine façon, et ce qui crée un choc psychologique. Et le problème, c'est comment on déclenche psychologiquement quelqu'un pour s'intéresser à la chose. Et donc l'idée de ces vigies, c'est que ça crée le choc psychologique, ça va peut-être pas marcher à la première fois, mais ce qui marche, c'est la répétition. C'est-à-dire que quelqu'un qui va voir une vigie une fois par mois, avec des gens qui restent en silence comme ça, et qui veulent discuter de ça, veulent voir qu'est-ce qu'on fait ensemble, et veulent proposer des actions, eh bien, au bout de 3 ou 4 mois qu'on a vu ça, on s'est dit, mais bon, on discute un tout petit peu, quoi. Et c'est petit à petit comme ça que le débat va naître, et que, d'une certaine façon, il va se créer ce genre de groupe dont tu parles, pour voir comment faire un peu plus. Mais notre problème qu'on a à la base, vraiment le problème de base, c'est que personne ne parle de ça. Ça n'intéresse personne, le désarmement nucléaire. Et c'est ça notre problème. Oui, mais c'est-à-dire que c'est pas seulement... C'est vraiment un outil à mettre en place sur les communes en concertation avec les conseils municipaux et certains citoyens qui disent « c'est pas normal que vous nous représentiez sans savoir ce que nous en pense ». Et je crois que, franchement, même les gens qui n'ont pas envie de se tourner de ce côté-là à longueur de journée, parce que c'est absolument déprimant, ce que je comprends, il y a un moment donné, ils peuvent simplement signer un texte en disant « oui, effectivement ». Et je crois qu'il faut tenter aussi, il y a peut-être si on serait peut-être surpris si on faisait un sondage sur une commune, vraiment, que les gens aient à répondre « oui ». Ou non, peut-être qu'il y aurait une majorité de gens et ça permettrait aux conseillers municipaux d'avoir une légitimité et de prendre position également. Mais ils ne prendront jamais position si les citoyens ne se sont pas vraiment, vraiment exprimés. Une autre question. I want to say something to it that we are, or I have a little bit a different analysis of what went on in Belgium, and also about campaigns, how it could work, which somehow also relates to your question. I think it was great that there were 1,000 people walking onto, that was, I don't know, more than 10 years ago, in Kleine Brogel, onto the nuclear weapons base in Belgium. And Kleine Brogel is a base which is not the NATO headquarters, which is in Brussels. So it's in a rural, it's outside. It's much more difficult to mobilize people there. And we were asking ourselves too in Germany, how can they do it? You know, why doesn't it work for Germany? And the reason I believe is they have a different court system in Belgium. It's like there's a jury. It's a jury who decides if people get punished or not. And the jury was convinced that these motives people were doing these actions is great, is good. And that was the reason why the government decided not to sue these people anymore. And it's easy. It's easier to do an action when you realize you don't get punished for it. And for an activist who wants to achieve something, it can be really frustrating when you realize, oh, no police there, even though the soldiers are being hostage in the base. And yeah, and so I believe that this decision finally, getting to the point we dream about it, getting 1,000 people going onto the base, I think it was wrong in 2002, 2003, actually, to move away and to move to NATO headquarters because of the war against Iraq took place. That was in everybody's vision, and everybody talks about. That's one point, I believe. There are a few others, but that would be too long. And that's where I believe we need a campaign which makes pressure.
and which also focus on, if it doesn't work, to go with many people onto it, to more and more block the gate. When the gates, for example, when a base can't be run anymore because of, like you were doing in Fastlane, it's taking place every day. The cars can't pass to work, you know. So I believe there was a great opportunity which was lost. And with the Mayors for Peace, it was the peace groups. They got these mayors. They informed them. They got them to sign and to bring it inside their council to decide about it and so on. But they don't do anything by themselves, or only little, or only very few who are convinced. But for getting them to do more, it's like, we have to move forward in with our approach, and as more as we are doing civil disobedience, as more as we are able to reach to a broader, like, you know, getting religious people. We also have a Lutheran minister standing a few weeks at the base, for example, in the year. When it's getting so accepted that local church groups, which are partying, grill party, cake party, what not partying, like young people, but that they are at the base, then the officials or the ones, the responsible spokespersons, that's when they come finally. They come in when they feel like the population is, they actually demand it from them. You know, they would be blamed if they don't stand up. So, and that's why I also think this Nobel Peace Prize is a great opportunity, which gives us more an argument for these officials that they are, yeah, in support of showing up. I don't think that petitions is good for mayors, for example. Yeah, thanks. Oui. Moi, je voulais parler des arguments, parce que si on n'a pas pris seule opinion publique, c'est parce que, je dirais, on n'explique pas, je dirais, assez bien. Rien que le fait, le coût de la bombe, qui va encore beaucoup augmenter, quand on sait aujourd'hui qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour ci ou pour ça, je crois que c'est un argument de choc pour être contre l'armement nucléaire français. Ensuite, je crois que il faut bien montrer justement l'injustice qu'il y a entre 10 ans qu'il y a certains pays qui ont droit à avoir des armes nucléaires et pas d'autres. Ce n'est pas du tout du droit international, cela. Et je crois qu'il faut se servir du traité qui est à signature en ce moment pour argumenter à ce sujet. Parce que quand on dit qu'il ne faut pas que l'Iran ait la bombe atomique pour la sécurité mondiale, il ne faut pas que la Corée du Nord ait la bombe, et puis que puis nous on l'ait, ben les Iraniens ou les Coréens du Nord, ils se disent « pourquoi pas nous ?» Bon, il faut insister là-dessus que ce n'est pas comme ça qu'on organise la paix. L'histoire l'a montré. C'est uniquement par des négociations, je dirais, d'égal à égal. Donc je crois que c'est des arguments fondamentaux à dire, qu'on ne dit pas assez. Voilà, c'est essentiellement ça que je voulais dire. Yes, actually, I'm coming back to what you were talking about, having the public and the civil people in action. It's very, very important to have a dialogue with the inhabitants in the area where you have nuclear power or nuclear arms and so on. And you know that there's the construction going on in Pyhäjoki for the Fennovoima nuclear power in Finland. There was a kind of a camp from 2014 actually until May 2016. But now at the moment the whole society, which is quite small, there is only 3,600 people living there, but it's completely in two parts. I mean, the majority of the municipality, they are for the nuclear power because the Fennovoima says that they, you will get
welfare in the area and you get much more jobs and so on. And there is a small part that is opposing it. Now, there's a group that bought a house in the area, and we are just about starting this one, and it's called Information Center Hanhikivi. Hanhikivi is the peninsula where they are building the nuclear power site. And our aim is actually to get the support from the local people, to get the trust that those who oppose the nuclear power, they also have the right to work for that. And we want to bring a kind of a critical information about the nuclear power and the energy production. And we want to create in this local, in this house, a space for people to discuss, to come, to have coffee, to bring their ideas. And I would like to invite you all, if you come to Finland and to the northern part of Finland, to Pyhäjoki, to visit the house in the coming months or so. Oui, excusez-moi, je continue un petit peu mon idée sur la baisse de vitalité du militantisme, mais voilà, il faut savoir qu'en France, on est dans un état de permanent de un état d'urgence permanent, voilà, qui est passé à être dans la loi, hein, sachant que en cas d'accident nucléaire, on sera en état de siège, et donc là, ça sera l'armée qui prendra le pouvoir et donnera les ordres. Et dans un état où on criminalise de plus en plus l'action militante. Hein, ceux qui ont tué Rémi Fraisse sur le barrage de Sivin, ils ne sont pas inquiétés. Hein, ils n'iront jamais en prison. Donc voilà, dans une lutte où on a, à part à l'ONU, en local en France, zéro résultat depuis des décennies, quel est le moyen bon, on va durer, évidemment, nos actions de vigilance, de coupe à rond-point, de choses comme ça, de pénétrer sur les bases, d'interpeller les gens vont continuer. Voilà comment faire pour rallier à nous beaucoup plus de monde. Telle est mes questions, de nouveau. Voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment une excellente question. Peut-être pour clarifier les choses, voir que dans les situations comme la nôtre, il faut être honnête et reconnaître qu'il y a un certain nombre d'endroits, de niveaux sur lesquels il y a à réfléchir. Par exemple, en ce qui concerne le niveau international, la méthode du traité d'interdiction a été payante. Et donc, alors que ça apparaissait impossible au début, le type de mobilisation, le type d'intéressement des États a donné des résultats. Si on prend maintenant l'étage au-dessus des organisations internationales, et je peux en parler puisque nous, on a travaillé avec la Croix-Rouge, avec Greenpeace, avec peu importe. On a là un niveau qui a aussi conduit à des résultats positifs dans la mesure où chacune de ces ONG a tout de même une certaine écoute au niveau de l'ONU, puisqu'elle était partie prenante du débat. Et donc là, on a encore un niveau dans lequel on voit bien le type de coalition et de mobilisation possible pour se faire. Mais là, on parle d'autre chose. On parle de qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'opinion publique. Et dans cette question-là, très concrètement, et il faut le dire très honnêtement, il faut un peu analyser qu'est-ce qu'on fait dans les différentes périodes. Il est clair que quand on est dans une période où il y a péril en la demeure, par exemple, ce qu'on a connu au moment des fusées Pershing et SS-20, ou dans laquelle le peuple d'Europe était en grand danger. À ce moment-là, le rôle des uns et des autres est, quelque part, d'intervenir dans les mobilisations qui ont lieu pour y apporter des éléments, des arguments, des réponses. C'est évident. Et puis, ensuite, il y a des périodes creuses dans lesquelles il n'y a pas
un motif immédiatement compréhensible par la majorité des gens qui fait qu'ils vont accourir dans ce sens-là. Et dans ces périodes creuses, la question est, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en réalité, on a un rôle crucial dans ces périodes creuses, c'est d'être, si vous voulez, l'intellectuel collectif nécessaire pour pouvoir ensuite ensemencer les différentes mobilisations. C'est-à-dire qu'on a un rôle très, très important à jouer, qui est d'essayer de concentrer, de bien clarifier, de bien expliquer où en sont les enjeux. Mais déjà, à cette période-là, on a quelque chose de plus à résoudre et qui nous concerne tous directement, personnellement. C'est comment, même dans des situations comme celle-ci, on peut étendre, on peut réellement dépasser notre milieu particulier. Ce que je viens de dire montre que c'est contradictoire avec mes propos précédents. Parce que si on veut être l'intellectuel collectif et, si vous voulez, concentrer les meilleures idées, on ne peut pas faire ça à tout vent. Et en même temps, si on veut vraiment exister, on est obligé d'être le plus large possible. Je trouve que c'est dans cet enjeu-là qui est devant nous, sur lequel on doit réfléchir. Merci, Abraham, parce que ton analyse de fond est tout à fait pertinente par rapport à la situation qu'on vit en ce moment. Et justement, il y a une proposition qui est dans l'air au niveau de plusieurs associations pour sensibiliser des gens qui ne sont pas sensibilisés actuellement, mais qu'on pourrait sensibiliser de façon simple parce qu'on les connaît. C'est une campagne de cartes postales. Ça ne serait pas des cartes postales qu'on enverrait au président de la République, parce que c'est vrai que ça, c'est fait habituellement, puis en plus, c'est en franchise postale, mais ça serait des cartes postales qu'on enverrait à ses amis ou à ses voisins ou à des gens qu'on connaît. Et pour que ça soit quelque chose qui marque, ça serait des cartes postales humoristiques. C'est-à-dire qu'il y aurait, sur le côté illustré, des dessins de dessinateurs connus qui mettraient en évidence des difficultés liées aux armes nucléaires ou des contradictions, etc. Et il y aurait un jeu de 10 cartes postales qu'il faudrait collectionner, évidemment, comme les enfants qui collectionnent des images pour des livres. Et donc, il y aurait, d'une certaine façon, une dynamique qui se créerait pour récupérer ces cartes postales. Donc, c'est l'idée que, un peu, tu soulevais là, tout à l'heure, c'est-à-dire comment donner envie de se... d'en parler, de discuter, de s'intéresser à la chose. Alors, l'idée de la carte postale humoristique qu'on envoie à ses amis, c'est une piste qu'on n'avait jamais, pour l'instant, utilisée. C'est une nouvelle idée qui est dans l'air. Donc, pour ceux qui, dans quelques mois, seront encore dans la dynamique, eh bien, j'espère que ces cartes postales arriveront. Nous avons des amis qui arrivent pour vous proposer quelque chose qui est... ils ont besoin de 3 minutes de micro, qui organisent demain, samedi, un événement sur la place de la République avec des tenues dans le genre de ce que vous voyez, complètement folklorique et d'une autre époque. Donc je leur laisse la parole. 3 minutes ? Oui, voilà, 3 minutes. Voilà, nous, on fait partie d'un collectif qui est aussi à Lyon, qui s'appelle le LAX. Laboratoire d'artistes créateurs sympathiques et engagés, qui fait de l'improvisation sociale. L'improvisation engagée sur plein de milieux différents. Et du coup, on participe ici sur le forum avec l'idée de faire un événement ce samedi. Alors, l'objectif de cet événement, il est triple. C'est un peu un événement pour terminer le forum avec de différentes associations. Un événement pour les militants, pour créer un moment un peu festif de partage et d'engagement un peu artistique sur cette fin, de l'art activisme, quoi, d'une certaine façon. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir le filmer, de pouvoir faire une petite vidéo après qui va pouvoir être diffusée et de pouvoir montrer ça. Et le troisième objectif, c'est de pouvoir toucher un petit peu les passants, puisque ça aura lieu place de la République, et donc de pouvoir toucher les gens qui seront là. L'agenda de cet événement est simple. On commence à 10h à préparer la place, puisqu'on va faire une zone de contamination, comme s'il y avait une faille sur la place de la République qui contaminait la place. Donc à 10h, on prépare ça.
On prépare aussi des banderoles et des petits cartons qu'on va utiliser par la suite. Donc voilà, vous êtes invités dès 10h à vous joindre à cette préparation. À midi, on répète un petit peu, puisqu'il y aura, je vais vous expliquer l'action, mais il y aura des chants, voilà, une manifestation qui va s'organiser. Et à 13h, on lance l'action. L'action aura lieu en diverses phases. Un premier acte qui est le moment de la contamination. Donc on a au milieu de la place un fût contaminé qui contamine l'ensemble de la place. Et on va voir tous les passants qui sont là, habillés comme je suis là en ce moment, pour décontaminer les gens. Donc on va les voir, on leur dit vous êtes contaminés, vous inquiétez pas, mais on va vous aider. Et c'est le moment de leur distribuer aussi un petit tract et de leur proposer une décontamination plus de fond, s'ils le veulent. Et là, avec des tables de militants qui posent des petites questions, quiz un peu sympathiques, un peu comiques, et surtout discutent avec eux pour décontaminer aussi les cerveaux, puisque c'est ça aussi qui, voilà, c'est parler un petit peu de la question du nucléaire. Ça, c'est le premier acte, la décontamination, avec des hommes habillés comme moi et des militants qui tractent, qui sont là aussi pour expliquer. La deuxième phase, c'est une phase où deux manifestations arrivent. Une pro-nucléaire, une manifestation, voilà, c'est ça, et après une manifestation anti-nucléaire. Non, non. Voilà, bon, deux groupes qui arrivent avec des pancartes, du coup, et qui font le tour de toute la place, donc un peu pour aussi rameuter un peu du monde et puis montrer un peu ce qui se passe. Et à la fin, ils convergent au centre de la place, et là, il y a une sorte de face-à-face avec... un dialogue un peu énervé entre les deux groupes. Sirène d'alarme, là c'est la catastrophe. L'explosion, enfin voilà, la catastrophe totale. Dayin, donc pendant la sirène, on peut s'allonger par terre. Voilà. et faire un dayin de 2-3 minutes. Tout ça est filmé, évidemment. Et pour terminer, une chanson collective pour se retrouver tous ensemble. Et terminer ce temps-là. Voilà, donc c'est ce moment qu'on vous propose demain. Samedi. Et la dernière chose qui est importante, c'est les besoins. Donc si vous voulez vous joindre à nous, je peux dire qu'il y a un atelier choral pour travailler sur les slogans et aussi les chants, puisqu'il y aura plusieurs chants. Demain, à quelle heure? À 14h. À 14h, où ça? Dans la petite librairie anarchiste 146 rue Amelot. 145 rue Amelot. Bon, c'est sur le programme, de toute façon. La deuxième chose, c'est que donc à 10h, on a besoin de gens samedi à 10h pour nous aider à faire les pancartes, préparer la chose. Et puis à midi aussi, de gens qui veulent s'habiller comme moi, ou des contaminateurs, ou voilà, avoir des rôles. Donc voilà, 14h demain, 10h et midi samedi. Et l'action commencera à 13h et finira à 14h. Hein. Ça dure qu'une heure, c'est court. Voilà, merci. Désolé, j'ai parlé trop longtemps. Merci. Donc voilà, si vous voulez faire du théâtre, vous avez noté les heures. Si vous voulez aussi être demain matin à la vigie à 8h devant le ministère de la Défense, c'est au métro Ballard. Donc c'est près de la porte de Versailles, pour ceux qui connaissent un peu la région parisienne. Et... depuis la place de la République, il faut quand même compter 40 minutes de métro. Donc voilà, donc c'est pas à côté, mais c'est le ministère de la Défense. Et maintenant, ça s'appelle ministère des Armées. Et c'est à côté du tram Ballard. Voilà. Alors, donc il est bientôt l'heure de terminer. Il y a donc encore peut-être quelques interventions. Marion voudrait intervenir. Luigi, est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole avant qu'on clôt? Toi, t'as déjà trois doses, hein, donc Marion. Yeah, I like to share an international action vision I actually got over this whole treaty ban process, also with some others. I mean, you have seen it with Standing Rocks with the Native Americans in the United States. They were using civil disobedience, and they got a lot of, also through Facebook and everything, a lot of solidarity.
in all the big major cities and so on. And finally, when the camp was teared down or torn down, people started up to convince banks in Seattle, in Norway and so on. They were finding out which banks invest actually into, you know, these pipeline plan or operation, and they forced them out. Or there were cities, Seattle, they withdraw their money from this bank. And that's what I actually see. I mean, I can start it, and we supported this campaign a few years ago, Don't Bank on the Bomb. But by then, the bomb was not banned. And now we have another 3 months, probably. I'm very looking forward that 50 countries gonna ratify it. And after that, we can go to the banks and can say, hey, you know, do you invest in an indiscriminate weapons? These bombs are banned. Do you invest in their carrier systems? So it's not only about the bombs, it's also the whole infrastructure, the whole equipment around. And if you don't stop it, then we're going to convince people and to withdraw their money and move it to another banks, to ecological banks. And I'm pretty convinced that as more this is going to take place, and probably there's going to be a campaign focusing on certain banks who have in Germany, it's for example, Commerzbank is one of the biggest, but not the biggest with nuclear bombs, but they have ethical rules, you know? So it's like we can also grab them by this. And yeah, that's what I wanted to share. Merci. Luigi, tu es la dernière intervention. Oui, je voudrais intervenir en gros dans la direction indiquée par Abraham. C'est-à-dire, personnellement, je suis profondément convaincu de la nécessité maintenant d'avoir une réflexion approfondie, commune, sur la stratégie à adopter dorénavant. Alors, pourquoi je dis dorénavant ? Parce que, comme tout le monde sait, il y a eu l'adoption maintenant d'un traité d'interdiction des armes nucléaires. Ceci, bon, le traité a été adopté. Maintenant, comme on sait, il faut qu'il y ait 50 pays qui le ratifient pour qu'il rentre vraiment en vigueur. Mais bon, ça, c'est une question un peu de temps. Mais disons, pour l'essentiel, le fait vraiment nouveau, c'est qu'on dispose maintenant de ce traité. Et ce traité est un traité international qui a rendu ce type d'armes, les armes nucléaires, illégales. Alors, donc, ce qui veut dire, c'est qu'il y a une nouvelle donne dans le cadre géopolitique. On n'est plus dans la même situation qu'avant. Donc, quelle est la prochaine étape ? Alors, la prochaine étape, évidemment, c'est de passer de l'interdiction à l'élimination. Sachant qu'une fois qu'on aurait obtenu ça, le même traité va, en principe, assurer l'irréversibilité. Parce que si on avait demandé que l'élimination et pas l'interdiction, rien n'aurait empêché, une fois éliminé les armes, quelqu'un de recommencer. Donc, si je prends, j'aime bien prendre l'exemple d'un édifice. Actuellement, on a réalisé les fondations du bâtiment. Mais en même temps, on a préparé le toit, qui est l'irréversibilité. Maintenant, il s'agit de bâtir ce qu'il faut entre les deux, les parois de la maison, la partie visible de la maison. Alors, si on regarde ce qui est en train, dans la pratique, de se passer actuellement, je suis impliqué pas mal aussi en Italie, pas seulement en France, et je vois que partout, on demande en ce moment à ces pays, l'Italie, la France, etc., de ratifier, de signer d'abord ce traité. Mais
si on regarde qu'est-ce que cela veut dire, compte tenu du contenu du traité, signer, n'importe qui ne peut pas signer ce traité sans condition. La condition est très précise, est qu'un pays qui demande à signer le traité, même s'il a pas voté l'adoption, il a le droit de demander à le signer, mais à une condition précise, qui est de s'engager à éliminer ses armes suivant un protocole et suivant un calendrier qui doit être approuvé par les signataires du traité, ceux qui ont déjà signé le traité. Donc, la conséquence, c'est que le fait de demander à un de ces États, l'Italie ou la France, de signer le traité, c'est équivalent à demander l'élimination des armes possédées ou abritées par ces pays. Et donc, demander l'élimination, ça signifie, et c'est là où la réflexion, je crois, doit se développer, parce que là s'ouvre un éventail de possibilités. On peut demander une élimination unilatérale ou bilatérale ou multilatérale. Finalement, dans ce cas-là, ça veut dire ouvrir des négociations au niveau de 9 pays qui possèdent les armes nucléaires. Peut-être pas d'un seul coup tous les 9, mais progressivement aller vers une négociation multilatérale complète. Et donc, je crois que c'est important de développer, de préciser cette précision pour savoir qu'est-ce qu'on propose aux gens quand on fait toutes sortes d'actions, comme on est en train de faire, ce qui est très, très important et qu'il faut absolument développer. Mais je crois qu'en même temps, il faudrait préciser qu'est-ce qu'on propose aux gens d'exiger. Bon, je crois que ça va déborder beaucoup le débat qu'on voulait avoir aujourd'hui, parce que là, on a dépassé l'heure. Et je pense que ça va occuper beaucoup de nos associations dans les mois qui viennent, et qu'il faudra voir effectivement comment on se comporte. Chaque pays est un peu indépendant. Hein. L'Italie n'est pas comme la France de ce point de vue-là. Et aucun des pays nucléaires ou sous parapluie nucléaire n'est comparable immédiatement. Donc je pense que c'est un débat très général qu'il faut avoir. Et en tout cas, ça déborde de beaucoup cet atelier. Je remercie les interprètes pour leur travail. Et je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Il n'y a juste pas de choix maintenant. On arrête à moins de vouloir payer quelques grosses multinationales. Ça ne sert plus à rien. Ça coûte trop cher, c'est dangereux et militairement, c'est inutile. Donc maintenant, la seule décision pragmatique, c'est on arrête le nucléaire au plus tôt.